La panthère jaune, c'est plus la panthère rose. Organisée par nous. Par les gilets jaunes. Par les gilets jaunes. Par ouais. Vous. Je rate des mots. Le 17, c'est dimanche à quelle heure? À 11h30. Il va falloir que je parle. Rendez-vous, place à Garibaldi. Merci Garibaldi. Chacun amène le sacré courte remarque. Je souhaiterais. J'ai pas fini, attendez un peu. Février, alors, deuxième événement, marche carnavalesque, l'avant-capéline. Apporte le cœur jaune et dépose-la sur la plage en fin de défilé. Dimanche 3 mars, 11h30, 14h30. Pierre, idem. Place à Garibaldi, Cassini, Pierre Papaccino, Pierre Lunel, Pierre Place Brunemère, Pierre Macapéo, Pierre des États-Unis, place publique, plage publique de Cassem, on déposera notre petite fleur jaune. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, en jaune. Bon, vous aurez. Regardez, l'événement, il est sur face de Brooke, hein. On me l'envoyait avec le compte rendu. Merci. J'ai fini. Si vous avez laissé votre adresse. Alors, c'est à toi, Magide. Sur le carnaval, hein. Après toi tu tiens notre événement, c'est ça? Sur le carnaval, hein. Après c'est après toi, c'est après Magique. Bonsoir, Joïc, c'est après Magique. Bonsoir, moi je suis Magique, je faisais partie du groupe de Magique. Voilà. Avec je voulais juste revenir sur ce qui est prévu le dimanche en 11h30. C'est Agar et Magique, mais tous déguisés. Donc un viendront pas être mal, ça c'est moi. Il y aura du debout, il y aura un peu de monde. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Sur le groupe Garibaldi. Ça n'empêche que je suis toutes les actions. On a fait une action avec Jules Père Noël sur le rond-point de Sergi. C'était assez bien d'ailleurs. Et on vous a mis dimanche à 11h30, tous déguisés à Garibaldi. Merci. Suivant, Louis. Après, c'est à Pierre. Est-ce qu'il y a autre chose pour le faire? Oui, moi j'ai une idée. Et toi, tu viens après. Attends, je donne la liste des gens pour le carnaval. Loïc, Pierre, Fafra, Virginia, Marisol et Christophe. Alors, je pourrais rajouter juste un truc à ce sujet. Cet événement est déclaré. Les deux sont déclarés, donc pas de problème. Moi, sur le carnaval, d'abord, réfléchir à l'acte 14, ça pose le problème du carnaval. C'est-à-dire que l'acte 14 tombe pendant le carnaval. Je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse aussi par rapport à l'organisation. Deuxième chose, la dernière fois, ou la fois d'avant, on a dit qu'il y aura un char de Macron en héros. On verra plus tard. Le carnaval officiel.